وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Quand les gens vont se retourner le jour du jugement dernier dans le moment de difficulté et de peine et de peur, voir chacun des messagers parmi Ulul Azmi min ar-Rusul, ceux qui étaient sur la fermeté, dotés de fermeté et de volonté, Ulul Azm, qui sont les meilleurs parmi les messagers, et chacun va dire d'aller voir autre que lui, jusqu'à ce qu'ils aillent voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala va lui inspirer des louanges spécifiques. Et il va lui dire, Muhammad, ya Muhammad. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se prosterner, il va lui dire, lève ta tête, demande, on te donnera. Et intercède, ton intercession sera écoutée. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadhihi shafa'atul 'uzma. La grande shafa'a, la grande intercession qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il intercédera que ce jour terrible, que le jugement, il commence. Car rien que rester comme ça dans l'attente, les gens, ils ne savent pas ce qui va se passer pour eux, c'est terrible. C'est effrayant. Wa qur rabbi zidni ilma.